I touch one very small wall. I broken the rear wheel. I tried to fix it on the stage, and I was a big delay for the second one, so it was not possible to go on the start line. We have tens of thousands of working mechanical components in this car, all put to the limit to give us the best speed possible, and sometimes it doesn't work. But yeah, the C3 gave me incredible confidence this weekend to push to the limit, and to lead this rally was something pretty special for me, because for me it's the biggest test on tarmac roads. Yesterday in our rhythm was enough. Okay, today I can understand on the first one why we lost some time. So I would like to think on the second loop we can improve. And of course on the second one we lost a lot of time with the intercom. So we did the stage completely blind. I had some hand signals from Scott that was trying to keep me on the road. So it was a surprise not to drop more time than we did. For sure the fight is not over. It's just a few small seconds to the podium now. So let's see what we can do. Yeah, I progressed step after stage. I touched the wall yesterday and I stopped my progression. Today I'm back in Super Rally and I tried to push, but I have not the experience from last year on this rally, and it was very difficult. Some very good stage times, and in the end fifth position, but this time a strong, solid fifth position. We are really, really happy with how the weekend has gone. The C3 WRC has been performing fantastic on the roads here in Corsica, and it fills us with confidence for the future. Le conservatoire Citroën possède aussi bien sûr des voitures d'après-guerre. La première voiture commercialisée après-guerre, c'est la Deux Chevaux en 1948, même si elle a été étudiée dès le milieu des années 30. La Deux Chevaux va être la voiture la plus produite par Citroën, elle aura donc un grand succès. Produite pendant 42 années, de 1948 à 1990, à plus de 5 millions d'exemplaires. Au fil de sa carrière, différentes versions vont apparaître, différentes couleurs, des motorisations qui vont un petit peu évoluer. Et en fin de carrière, il y aura cette belle Deux Chevaux Charleston qui aura un grand succès populaire. Le conservatoire possède plusieurs DS. Véhicule mythique, la DS remplace la traction avant en 1955. Très innovante avec sa suspension hydropneumatique, sa commande semi-automatique de vitesse au volant, elle est très confortable et facile à conduire. Elle sera produite jusqu'en 1975 et surtout mise très en valeur par le général de Gaulle, puisque ça sera la voiture officielle de la 5e République. En 1970, Citroën lance l'AGS, nouveau véhicule de milieu de gamme qui emprunte à la DS sa suspension hydraulique. Le conservatoire en possède plusieurs, notamment des berlines et des breaks. Voici l'ASM, un coupé GT Prestige très performant qui sera produit de 1970 à 1975. Mais au conservatoire, on peut aussi voir la CX.
Lancée en 1974, elle remplace la DS. Berline très confortable, elle sera notamment utilisée par le président de la République française en version prestige rallongée. Nous avons aussi des véhicules récents comme la Xantia, ZX, XM, Saxo, sans oublier les fameux utilitaires Citroën, Jumper, C25, C35 et le Type H, produit de 1947 à 1981. Voici le dernier exemplaire. Citroën est un constructeur international. Le conservatoire garde aussi des véhicules fabriqués en dehors de l'Europe, comme cette C4, conçue, produite et commercialisée en Chine.